Bon midi, bon lundi et bonne semaine à tous et à toutes. S'il y a une institution publique qui a beaucoup occupé l'attention du public au cours de la crise actuelle, c'est la PNH. Tantôt incapable de sécuriser les vies et les biens, tantôt secouée par des crises internes, fantôme 509, syndicats, tantôt utilisée, politisée, utilisée comme instrument de répression, la police nationale est en pleine déliquescence. Entre le banditisme, la corruption et la politisation, l'institution policière se tend vers l'effondrement, nous dit le Saint Charles l'évêque dans son dernier rapport. Le pays a beaucoup à faire pour remettre sur pied l'institution policière, l'une des plus grandes forces de sécurité. Aucun pays ne peut se permettre de vivre sans une police professionnelle et consciente des défis de l'heure. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de l'invité du midi, mesdames, messieurs, monsieur Jacques Charles, responsable des relations publiques du Centre Carl Lévesque, autour du dernier rapport sur l'effondrement de la police nationale d'Haïti. Bonsoir et bienvenue, Jacques. Bonsoir, Samy Janvier, et me profiter de micro justement pour me saluer auditoire de la radio Télé Caraïbes ainsi que les internautes qui justement ont gagné l'opportunité pour suivre nous en direct. Et c'est vraiment un plaisir pour moi pour me parler de rapport que l'organisation Cap Défendre Droits Moun Centre Carl Lévesque SKL sorti récemment. Ok. Dans le temps, tu qu'on allait dans des conférences dans ICKL, qui c'est Institut culturel Carl Lévesque. Entre Centre Carl Lévesque et ICKL, bon différence ou bien c'est la même institution qui fait un seul? C'est pas du tout la même institution. Ok. ICKL, qui c'est Institut Carl Lévesque, lui a dirigé par Makatu Fizeme, alors que l'organisation Centre Carl Lévesque SKL a dirigé par le révérend père. ICKL toujours existait. Ah bien sûr, ICKL existait d'ailleurs, il fait partie de même plateforme avec nous qui c'est POHDH. Okay. SKL lui-même c'est Centre Carl Lévesque qui a dirigé par le révérend père Gardi Maisonneuve. Okay. Donc c'est tout un autre organisation de défense des droits humains qui a pour mission de défendre ou même une lutte contre la répression systématique ou du moins contre la violation systématique qu'a faite contre les droits citoyens haïtiens. Ok, parlez-nous de façon globale, qui ça se travaille sans Carl Lévesque là, SKL là, qui ça travaille lié depuis qu'il existait, qui philosophie qui est en balle. Rapidement, faut nous dit que l'organisation SKL lit officieusement prend naissance dans les années 60 parce que quelque part bien différents prêtres jésuites à l'époque tels que Carl Lévesque, Paul Desjean, Yves Desjean, etc. ce sont des prêtres qui étaient amenés de lutte active contre la dictature des Duvalier. Donc dans les années 60, mais malheureusement Duvalier a été caractérisé par la répression et son régime également autocrate qui prend décision pour exiler ou bien expulser prêtre jésuite ça. Qui fait prêtre jésuite yo pour aller en Suisse, l'aime dit prêtre jésuite yo ensemble prêtre comme j'ai cité là. On parlait de Carl Lévesque. De Carl Lévesque, Yves Desjean, Yves Desjean, Paul Desjean et tant d'autres prêtres pour aller en exil en Suisse et par la suite pour aller dans le Canada précisément Québec à Montréal. Donc de là étant, il est arrivé dans la communauté canadienne, la communauté haïtienne qui était déjà migré vers le Canada par rapport avec la répression que le gouvernement ou le régime dictatorial des Duvalier a fait, eh bien, il y aura organisé la communauté. Et jusqu'à présent, souvent des diaspora, des haïtiens qui vivent dans la communauté haïtienne dans l'autre bois, il y a une communauté qui est mieux organisée. Donc ça, c'est le travail que M. prêtre jésuite a fait. Maintenant, et quelques années plus tard, avec la chute de Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986, eh bien, prêtre ça pour aller rentrer en Haïti pour continuer à mener la lutte là. Malheureusement, trois mois plus tard, on a dit un mois plus tard après le débarquement de prêtre jésuite, quand l'évêque pour aller obligé, alors senti un malaise, il pour aller obligé entrer à Montréal, donc il pour aller malheureusement succomber sous cabane de l'hôpital dans la salle d'opération le 12 mars 1986. Donc, de là étant, les autres prêtres jésuites qui ont mené et lutte contre la répression, contre la violation systématique des droits de la personne humaine, pourraient mettre sous pied en mémoire de Carl Lévesque, organisation Cap Défendre Droits Moun Sa, qui c'est Centre
Karl Lévesque. Mm-hmm. Donc, centre en créole S-A-N-T, mm-hmm. et puis Karl Lévesque qui prête nom Karl Lévesque comme prêtre jésuite. Donc, okay. depuis 1986, nous existons et nous menons une lutte, j'aime dire, contre la répression, nous menons une lutte contre la violation systématique. Karl Lévesque, en plus d'être prêtre, c'était à la fois un philosophe, un médecin. Bien sûr. Un monde qui était en pile formation et qui très populaire, très reconnu dans le monde, dans la diaspora canadienne, notamment à Montréal. Ah, bien sûr, mm-hmm. parce que c'est non seulement c'est le travail, d'Acadie, formation de base comme philosophe, mais c'est permettre que le fait mm-hmm. Automatiquement arrivé au Canada, particulièrement à Montréal et Québec, il y a une opportunité pour mettre expertise li au service de la communauté canadienne. Pour, à titre d'information, le quand l'évêque et les autres prêtres jésuites arrivaient au Canada, ils n'ont pas convoqué bah ici papier. Donc c'est ensemble lutte que ont mené qui fait l'État canadien venir reconnaître haïtien parce que généralement accompagner les immigrants au Canada. Effectivement, généralement ils ont bail haïtien au travail, ils ont gagné difficulté pour toucher salaire yo parce que ils ont pas de papier. Donc ensemble abus ça que ont été victime de par d'employeurs canadiens yo, eh bien à cause alors grâce disons mieux avec lutte ça que Karl Lévesque, Paul Desjean et les autres prêtres menaient, mais vient fait que immigrants haïtiens ont une reconnaissance de la du côté de l'État canadien. Mm-hmm. Donc ben c'est un grand prêtre d'ailleurs, c'est ça que fait moi-même personnellement qui c'est responsable de relations publiques. Dans j'ai toujours senti un sentiment de fierté qui dégage la caïmoin, l'homme qui a opportunité pour me parler de photo de garçon ça par rapport avec ça t'est mené dans existence li et ça fait me sentir d'autant plus encouragé pour continuer mener bataille ça que quand l'évêque t'a mené. Très bien. Alors, nous fait un rapport, c'est pratiquement ça déclaré un rapport d'enquête sur situation et police nationale d'Haïti. Bon, police nationale d'Haïti en dernier moment ça et c'est une institution qui était plus en vue et par rapport avec la crise que le pays a connu au dernier moment. Là. Nous connaissons le phénomène fantôme 509, nous connaissons déjà une problématique, est-ce que nous avons un syndicat dans la police, est-ce que pas nous avons un syndicat. Donc, jusque-là, nous sommes plus habitués à des petits problèmes du genre, il y a des policiers qui ont fait des exactions personnelles, et puis il y a absence de correction de la part de l'inspection générale. Il y a quelques policiers de manière isolée qui n'ont gang. Mais nous ne pouvons pas vraiment découvrir un PNH complètement en crise, avec des crises qui secouent jusqu'à, et Jean nous dit là, tendu vers un effondrement, je ne veux dire. Bien évidemment, c'est par rapport à constat ça que vous faites et nous-mêmes tout qui est une organisation qui a défendu à Montserrat Karl Lévesque nous fait, qui fait nous dit on a laissé mener une enquête suite à observation judicieuse que nous faisons pour nous voir comment nous sommes capables d'accadir poser problème ça. Le nous mener enquête là, effectivement, ça nous joint en termes d'information, c'est des bagages qui m'a dit rendent nous un petit peu stupéfaits dans la mesure où certainement, il y a des choses que je n'ai pas arrivé à mettre dans le rapport là, et que je n'ai pas arrivé à mettre non plus. Parce que moi-même, toujours dis ça, il y a un commissaire qui te dit, Mabdou ça, et je garantis que soumettre, il y a pour c'est moi qui dis comme information. Et c'est sûr que l'information que je n'ai pas est susceptible à faire soit me reprocher, soit me prendre des sanctions drastiques contre moi, etc. etc. qui fait gain d'informations, nous pas arriver partager dans le rapport là. C'est même tout gain d'informations que ancien directeur général de la police nationale là, bah nous pas arriver qu'à faire passer dans le rapport là. Pour raison si simple parce que nous estimer c'est des informations que nous ca mettre dans le rapport là qui poser problème par rapport à monde qui prend le rapport ça. Qui capable de décrédibiliser le rapport là. Pas décrédibiliser, c'est que l'information ça nous estimer au juste, mais non niveau nos informations genre m'en vit disons j'en ai deux m'pas voulu pour n'aller prendre risque pour me mettre parce que quelque part ça nous... me dit non pas impartial non
Nous impartial, nous faisons travail avec un peu d'impartialité, mais nous voulons tout quelque part préserver l'institution. Parce que l'information ça a déstabilisé l'institution. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a des informations, par exemple, nous partager, ou information, même certaines femmes qu'on estime information ça li très grave comme monde cap traité. Par exemple, un ancien directeur général de la police dit nous en un seul jour, il y a 176 policiers qui prennent 8 grades. En d'institution policière là. Ça fait un rapport là. C'est des informations que y a appuyé par des données ou bien c'est des bails que mon arrêté le dit en l'air. Non, ancien directeur général institution que nous contacté d'ailleurs qui un monde qui ba nous en pile information sur pas grand pile non dernier moment là. Comment? Ancien directeur général pas grand pile. Ah bien sûr, ça me dit on va parler de une ou l'autre. Bien sûr, bien sûr, m'a parlé de une ou l'autre par rapport à ça qui passait déjà yo qui te permet nous joindre des informations. Qui dit nous que et avant direction là, c'est-à-dire avant que il était monté comme directeur général de la police, il rivait joindre gagner sous en direction dont directeur général gagner 176 policiers qui obtenu 8 grades en un seul jour. En un seul jour. En un seul jour, c'est-à-dire si policier ça rentre en institution à titre de inspecteur, à titre de agent 1, il fait agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, il fait inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, est-ce que tu vois, jusqu'à commissaire municipal. Donc en un seul jour, c'est informatique, c'est voilà, donc vous sont monde qui va upgrade automatiquement. Voilà, voilà. Donc ça pour nous même li très hideux. Là me dit LED. Par rapport avec mais parce que c'est exactement information ça vous mettez en rapport là si nous voulez dire la vérité. Oui, nous mettez bien sûr, nous mettez ça comme information, mais il y a des informations qui beaucoup pire. Il y a plus grave que bien ça. Bien sûr, nous pas ouais fraîchement. On a bonne idée par exemple. Si me bailler c'est comme toi oui, je mettez, c'est ça qui fait nous vraiment pas qu'à mettre. Et par exemple, on gagne des informations que peut-être me laisser si, et parler ça dans le résumé m'a pour me faire tout là sur rapport là. Par exemple, une information qu'on nous partage en rapport là sur question BDU. Par exemple, je pense que ça peut-être. C'est qui ça, BDU? BDU, c'est ça, ça ou les Bado Dress Uniform. En anglais, je dit, une sorte d'uniforme de combat. Oui. Mais le problème qui arrive, c'est que vous avez estimé son détail. Mais il y a deux policiers qui estiment que BDU, c'est son uniforme qui yo metel c'est pas parce que yo voulez metel mais c'est parce que quelque part l'uniforme que bay yo a qui c'est uniforme crème et bleu a li moins résistant pas oublier on police a touché 19000 goud yo bali seulement deux uniformes deux pantalons deux chemises pour faire yon année avec deux pantalons deux chemises imagino j'ai on la tout blanche dans la blanche là et ouais policier yo dans la rue yo pas yo mal vêtu genre je te dis sinon policier obligé fermer la poche pour lâcher uniforme mais qu'est-ce qui ça qui obligé faire c'est que li obligé acheter un bidiou bidiou ali même les dans l'opération ou la té avec li difficile pour le chirer mais ou pas jamais joindre un directeur général de la police mais bidiou donc ça bidiou c'est ça une forme de discrimination même que policier trouve là dedans côté que yo incapable procurer de uniforme qui descend yo obligé acheter bidiou même ce qu'on voit dans la rue le policier comme un gros camouflage bleu. Le policier connaît des qui ont plusieurs poches. Mais c'est ça que je dis. Donc, ce n'est pas parce que le policier a un équipement qui est résistant. Exactement. Pas parce que le policier a remel. Parce qu'on peut avoir des policiers qui tout senti à l'aise, les crèmes bleues à souyo. On met l'autre uniforme dans l'unité spécialisée à souyo. Mais le policier, par rapport à la situation de marasme économique qu'il trouve, obligé de mettre le policier. Ou du moins, si on fait nous payer ça dans la rue. Ah, bien sûr, il faut nous payer à travers faux contraventions, une série d'abus que en général toujours reproché policiers. Ah, bien sûr. Par exemple, un rapport là, sous bien, c'est ça au même qui fait nous dire institution policière là, si y a pas, alors si haut état major là, pas fait en sorte que pour résoudre peut-être à petit feu problème ça, eh bien l'abattent vers son effondrement, bien vers sa disparition. Pour qui ça? Parce que nous remarquons dans les années 80. Institution militaire là, les FADH, est caractérisé par ensemble de problèmes. Est caractérisé par la répression systématique, est caractérisé par
le non-respect des hiérarchies au sein de l'institution militaire, il était caractérisé également. Et même réalité inégalitaire qui gagne dans la société, il répétait tout dans l'institution policière. Bien sûr, bien sûr. Il y a policiers et policiers et il y a un ensemble de trafic d'influence qui a fait dans l'institution, tout, si vous comprenez bien. Bien sûr. Mais ça, nous nous retrouvons dans l'institution militaire. Là. C'est ça, peut-être c'est ça pour moi-même qui dada rapport. Déjà, même dans la perception, vous n'avez pas l'impression que l'institution policière est très différente de l'armée. Pour ça, déjà. On regarde comment il y a un policier dans l'arrière, il y a le commandant. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il est confortable dans l'appellation comme ça. Donc ce qui tend vers retirer le policier de son statut de civil, parce qu'il y a toujours oublié qu'un policier est un civil, vers un statut de militaire, côté qui gagne quand même si et Roland et Makoutique ou bien répressif que y a habitué avec l'armée ici. Eh ben c'est effectivement ça me reproche ça yo que population haïtienne a été fait avec institution militaire là qui fait le terrible nos situations quelques décennies plus tard. Libéral dit craser comme militaire bah nous comme police parce que estimé leur dit craser là c'est une rupture que vous avez marqué par rapport à la répression, par rapport au non-respect des hiérarchies, par rapport à la politisation de l'institution militaire là qui fait la population prend tout délire assez normal. Parce que depuis où est l'armée ou est coup d'état. Bien sûr, bien sûr. Donc maintenant nous nos situations extrêmement difficiles je ne je dis à côté que soit observé ou observé pardon de manière minutieuse ou à remarquer ensemble ça a été reproché institution militaire là, il a proposé maintenant à la police. Donc nous même comme organisation qui défend droit monde sainte calle avec SKL, nous pas souhaité que police nationale là tombe dans telle situation qui pourrait conduire vers son effondrement. Ça fait nous même nous lançons cri d'alarme. Et perception, moi je m'intéresse beaucoup en pile avec les questions de perception. Bien sûr. Parce que ça dit long, ça dit beaucoup. Voilà. Et sous institution policière là, par exemple, il y a des monde qui gagne de proches qui policiers. Il croit que ça autorise le faire n'importe quoi. Ah, bien sûr. Ouais, donc ça veut dire que quand tu marches à un policier, voilà. De vous commencer à faire une petite discussion à un policier, les mêmes qui sont en balance sont en calotte. C'est le premier qui est en calotte. Donc ça, c'est de pratiques qui existaient au sein de l'institution qui, pour moi-même, la population a gardé les paroles de mon œil. Et c'est ça qui fait, ouais, pour remarquer, dans le moment où on a parlé là, mais la population n'a pas de relation. Qui est très cordial avec l'institution policière. Parce que nous disons dans le rapport là, certaines fois, la population qu'on essaie de partager des informations sur deux bandits qui existent dans le quartier, eh bien, information ça qu'on tourne de représailles pour la population tout. Parce que, vous imaginez. C'est même la police a infiltré tout. Bien sûr, c'est ça que je dis. Par contre, sur le rapport, l'année dernière, ça a remonté à 2019. Côté, eh bien, suivant, on a dit DCPJ, suivant l'information de CPJ partagée avec nous, c'est que vous êtes arrivé à appréhender un inspecteur de police en institution qui a partagé des informations à Arnel Joseph de Regretté Mémoire. Oui. Arnel Joseph comme chef de bande armée. Donc, généralement, les policiers ont toujours un rôle de relais en institution pour. Moi, mais de Regretté de Mémoire. Là. Hein? Moi, c'est pour dire parce que je pensais. Regretté Mémoire, lui, mais. Non, je pensais que. Alors, c'est une blague. Oui, je pensais que Anel Joseph, c'était un monde qui était doué. Regretté vivant. Regretté vivant pour partager des informations. Pour que la nation connaisse en réalité qui est-ce qui t'a financé, qui est-ce qui t'a travaillé. Mais maintenant, dans une telle situation, et surtout l'insécurité qui gagne dans le pays, il y a un fait remarquer ça dans le rapport là. Ou estimer que bon problème d'effectif qui posait en institution policière là, côté que suivant un rapport que BINU est sorti le 4 mars 2020, il était dit gagner seulement 15 072 policiers en institution policière là. 15 072 policiers. Donc 10% femmes seulement. Voilà. 15 072 policiers, comment ils repartissent? Gagner seulement 10% là-dedans qui sont femmes, mais gagner 20% qui avoisinent 3000 policiers. Qui ont même détaché avec le palais national, primature, sénateur et les autorités politiques. Oui, ils ont détaché les directeurs généraux, les ministres. Il y a des chefs là qui pas vraiment un titre clair, bien sûr. Mais qui ont une quantité de policiers. Voilà. J'ai du temps et Martelly. Ou Nelson Sonnet qui était le policier qui a circulé avec lui. Jusqu'à date, il y a deux amis chefs, qui ménage chef tout, qui a circulé avec deux policiers. Alors qu'il y a deux policiers qui détachés à eux. Donc pour nous-mêmes, ça n'a pas fait
li pa fè honneur institution dans la mesure où ou gon effect ou gon sous-effectif même de institution policière là et qui vinn rive pa ka garanti un minimum de sécurité. Mm-hmm. Alors que en même temps, ou vinn sa sécurité 12 072 policiers, ou gen seulement 12 072 policiers à ce moment-là qui gagnaient seulement possibilité pour sécuriser en population. Ou presque qui, un policier par milliers de par 1000 habitants, je veux dire, un policier pour 1000 habitants, alors que suivant les normes internationales, ils reconnaissent de gagner un policier pour 225 habitants. Donc, alors par rapport à ça, nous remarquons que tu as supposé gagner, je veux dire, 53 334 policiers. Donc, c'est 53 334 policiers ça, qui étaient capables de permettre au moins ou gagner yon institution policière qui apte me dit à faire travail de sécurité en d'un pays. Oui. Mais tout excusez pour me finir sur point ça c'est que nous pas dit ça pour nous mettre seulement bâton en roue police nationale parce que nous connaît et en matière de sécurité c'est politique publique de sécurité qui est capable à adresser question de sécurité. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est pour me dire que question sécurité a il doit être en amont par rapport à action gouvernementale qui posait problème. Déjà même si d'avler bah sécurité il est impossible parce qu'une bagarre c'est policier. Bien sûr. Maintenant la police seulement comme corps il a pour opérationnaliser tu vois politique de sécurité que gouvernement oui, est en oui, place. Son bras. Bien alors. Sûr, son bras qu'il a pour opérationnaliser. Maintenant, même le tagant politique de sécurité qui adresse ces problèmes-là, ou vient dans une situation de sous-effectif qui fait que l'institution policière a mal pour poser problème réel de sécurité. Bon, le MDAP suivant une formation, c'est une formation en ligne, la question suivi-évaluation. Ok, très bien. Et ça, c'est une formation qui était relayée. Utilisation des données pour la prise de décision en matière de gouvernance. Et puis, il a raconté que on a nommé en tête une communauté américaine qui a un peu de criminalité. Et puis, les mamzelles montent dans la tête et police là, dans la zone là. Et puis, il a demandé à qui était là, qui était toujours là, qui est-ce qui n'a pas arrêté. Vous comprenez? Ouais. Qui quantité moun n'a pas arrêté et la question l'a posé yo t'a mené une enquête il finit par rendre compte qu'en réalité trois quarts moun qui dans prison yo que l'état dépense l'argent pour yo c'est des moun soit qui gagne détention illégale d'armes qui a fait hold up soit c'est des moun qui a fait criminalité ou bien de nèg qui gagne armes pas connait pour protéger contre gang etc. En réalité on n'a jamais attaqué les vrais gangsters. Les vrais gangsters, ce sont les fournisseurs d'armes. Les vrais gangsters, ce sont ceux qui bénéficient, qui organisent, sans déclarer une économie de la criminalité dans le comté. Ah. Il dit, côté de l'argent, ça va blanchir, c'est moun ça va vous attaquer. Alors, bien sûr. Et je pense par rapport à ça, effectivement, si bon problème de d'insécurité que tout le monde constate en Haïti, il est clair que faut t'a gagné, m'da dit, de autorité en un pays qui adressait problème là dans toute dimension. Pour qui ça? Parce que l'on veut ou non, pays a pas gain de grand pas gain industrie en armement. Pas même besoin de dire de grand industrie, pas gain industrie en armement. Pas gain côté journée jodi là ou ka aller dans industrie pour acheter des armes. Mm-hmm. Donc quelque part, c'est un commerce qui très rentable suivant ça en pile monde. On va dire que bien que données yo yo pas accessible totalement en Haïti pour me dire mais quantité moun k'ap vann zam réellement NDDR dit gen 11 familles mais est-ce combien zam famille ça rentre annuellement bien mensuellement nous pas connaît donc ta doué pour nous-mêmes autorité qui responsable pour sécuriser nous-mêmes comme citoyens d'un pays à aborder problème ça de façon minutieuse à partir de là me garantis police nationale là comme corps l'a bien capacité pour li même tout traiter problème de sécurité pour qui ça parce que ou pas qu'à agir en dehors de données. Oui, est-ce que tu comprends? Ou pas qu'à agir en dehors de données. Donc ça fait remarquer police nationale là même tout li vit une situation extrêmement difficile côté li gain incapacité même pour poser problème réel ça puisque au niveau gouvernement pas jamais gain nécessité bon côté pour poser problème de sécurité à travers de politique de sécurité. Oui, définitivement. Et nous avons de documents qui ont été faits dans le cadre pour aider la police à grandir. Et ils ont parlé d'un ensemble de mesures qui ont été prises pour permettre pour éviter qu'il y ait des corruptions ou bien qu'il y ait des bandits qui ait des policiers qui à la fois policiers et membres de gang. Mais
ou pas chamoué réalité bah ça ou pas chamoué en réalité combien policiers opinion ou pas chamoué vetting les vetting en fait ou pas ouais solution ça veut dire que c'est des paroles en l'air qui pas cham atterri et résultat journée aujourd'hui c'est que les institutions policières là sont institutions qui pratiquement effondrées. Ah bien sûr et suivant ça même dans rapport là nous mentionner ça par rapport avec plusieurs policiers que nous interviewé, fait focus group. Moi, personnellement, je fais plusieurs focus group à des policiers pour me rejoindre. Il y a une frustration. Ah, bien sûr. Et il y a un rapport là encore, nous traitons ça sur la question banditisme même. Il y a deux raisons, suivant sa police. Racontez-nous qui fait ou qu'a trouvé un policier fait partie d'un groupe ou d'un bande armée. Première raison, c'est par souci de sécurité. Parce que, pas oublier, que l'on veut ou non, instinct de survie. Et c'est de survie, elle caractérise tout le monde. Donc, l'habité dans le quartier populaire, on gagne dans le quartier populaire, madame ni petite, li a vivre là. Voilà. Donc, par conséquent, l'obligé fait une allégeance à gang là pour sauver la ville. Bien sûr. Et policiers, même, dis-nous ça même. Ou obligé de rentrer dans le quartier à propre, sur le travail à 10h du soir, 9h du soir, ou obligé de faire partie de gang ça, ou bien zami, chef de bande armée qui activement recherché par la police là pour leur bon passage dans quartier pour bon passage mais deuxième oui mais surtout pour madame nègre petite li elle gagne capable rester en paix pour capable circuler normalement ah, voilà et deuxième raison également qui fait un policier suivant ça dit nous capable entrer dans en bande armée c'est parce que policier qui existe qui habite on qui cohabite même quartier avec chef de bande armée li ouais zam ak bal ak on zam ak munitions à entrer par centaines par milliers côte policier alors côte bandit deuxièmement li ouais tout li remarque tout que policier ça tout c'est par milliers par centaines de milliers de dollars américains la recevoir comme donc li même pas oublier leur agent un seulement recevoir 19 000 gouttes plus son ticket donc toute situation ça rend que policier frustré et li ouais seule raison pour le protéger tête li c'est faire partie de groupe de bande armée sauf que ça n'a pas dit à tout c'est pas dit nous voulait dit tout policier a gagné intérêt pour entrer dans bande armée nous pas quoi ça parce que nous même comme organisation qui défend droit monde centre de VKSKL nous juger nécessaire pour aucun policier pas ouais nécessité pour entrer dans bande armée parce que c'est deux forces qui diamétralement opposées. Tu vois, c'est deux forces qui sont diamétralement opposées. En même temps, nous souhaitons à l'autorité politique, à l'autorité économique, yo tout. Parce que, on a dit, l'homme dit autorité économique, peut-être, terme ça attaque à poser problème. Oubliez ça, et moun sa organe police par autorité, qui a sécurisé business, qui a géré au jour le jour. Effectivement. Donc, fuck problème ça li abordé, beaucoup de autorité politique, pour au moins, yo pas mettre policiers dans une situation difficile, côté li obligé, m'a dit, bon, renforcer obligé, li obligé inéluctablement entrer en dialogue avec un chef de Jacques Charles, qui te demande rapidement, même si on dit comparaison n'est pas raison, si vous regardez par exemple police avec l'armée en République dominicaine, et en matière de volonté de pour rançonner la population, un petit cop dans le monde, pas de policiers. Avec militaire dominicain champion dans ça. Ça pas fait pour autant que l'armée dominicaine, qui a environ plus de 80 000 hommes, et la police dominicaine effondrée pour ça. Donc peut-être que, en plus, il y a des frustrations qui mènent les policiers à faire des réactions dans la rue, sous population, à chercher à se gagner principalement le fait que les gens ne rendent compte, et des fois le témoin, qu'au niveau de commandement la police là gagne des actes pratiquement ouverts de corruption ou de concussion de toutes sortes c'est-à-dire de népotisme qu'a fait un policier et a bénéficié plus que l'autre de nèg qui est même rang ou pas même situation parce que pas oublier nous dans pays hein, nous qu'on ouais policier qu'a fait grand pampan dans la rue cependant nèg là un grade assez simple dans la police et, excusez pour deux secondes faut me dire situation ça dans nous retracer dans le rapport là li mettait police nationale la même alors li mettait policier yo dans situation que yo frustré parce que gen plusieurs policiers qui dit nous yo entre dans institution dans même promotion avec deux policiers pareil yo échelon yo ouais policier ça grave en si peu de temps yo rapidement dit tête yo c'est parce que yo gen un bagage qu'a préservé yo gen honneur qu'a préservé qui fait même tu pas passer par même situation ça ou même qui fait tu pas prendre même chemin ça donc c'est pour me dire que ou trouve une situation
ça li déclenché sous qui ça li déclenché sous policier qui pas vle ou frère d'amni li déclenché tout sous policier qui a tué policier li dépassé sous 509 ah bien sûr c'est pour moi même existence 509 là même li lié par rapport à n'a dit mauvaise gestion même oui. Que état major la fête de l'institution policière c'est état major là qui crée 509 bien sûr et me pensais tout yo conscient de ça de la mesure où yo ouais seule façon capable de porter des réponses à situation ça c'est attaquer et fantôme 609 attaquer parce que interprété comme étant c'est un bras politique bien sûr pour moi même ça pas résoudre le problème non parce que ou qu'a toujours attaquer fantôme 609 l'a débouché sur fantôme 608 ou fantôme 610 parce que problème que fantôme 609 l'a posé à l'irréel c'est le même tout problème que inspection alors SPNH 17 l'a posé à réel le réel dans la mesure où c'est des policiers qui trouvent dans des situations difficiles côté au gens âme dans meilleur et au frustré. Oui. Souvre moi même personnellement moi sous principe que policier pas ta gain droit dans faire grève. Moi t'ai même désapprouvé et approche et fantôme 509 là, m'ai trouvé qui relevait carrément du désordre. Maintenant comment on peut accuser un parti que l'a fait désordre pendant que bon l'autre parti lui-même c'est désordre par là justement qui crée l'autre désordre là parce que ça me pas le fait que moi l'autre monde fait c'est faire comprendre que fantôme 509 là c'est des anges et que ça au fait à les louables non ça ne se passe pas comme ça en principe maintenant il y a une justification là dans la mesure où les justifier tête là dans sa cap fait de mal en dans police c'est-à-dire que m'pa ka blâmer seulement même si yo blâmable ça c'est il faut le dire faut pas croire que yo pas blâmable mais et m'pa ka blâmer seulement alors que m'quitté et au état major là lui-même qui a créé genre de situation en dans police là mais très bien et ça par rapport à ça même m'ta souhaité dire pareil c'est que gagne une structure même en décision policière là qui gagne pour travail fait de enquête fait de audit et fait de recommandations pour empêcher barrezal là et les structures ça fait enquête les fait recommandations par rapport avec politisation institution policière là ils ont pas pris en compte recommandations lui qui c'est inspection générale c'est ça qui fait dans même rapport ça nous qualifie inspection générale donc on structure qui sans pouvoir les sans pouvoir pour qui ça par exemple inspection générale qu'on fait de enquête sous des policiers et ils fait des recommandations mais puisque policier ça il y a des relations très cordiales ou bien très serrées avec un monde dans l'état major là ou du moins avec directement directeur général de l'institution là ou même dans le politique de soit parler national ou bien de homme politique mais ils ont bloqué décision ça ou bien bloqué recommandation ça un exemple si c'est et mentionné dans le rapport là inspecteur général lui suivant enquête que nous menons auprès de lui yo expliquer nous ça yo dit nous gon le yo mené d'enquête sur un policier et yo wè policier a fautif donc yo fait des recommandations contre policier ça pour expulser le un bien quelques mois plus tard yo saisi wè nan télévision y a nommé policier ça responsable au commissariat donc c'est comme quoi par rapport aux recommandations que yo fait à policier avec directeur général de la police ou avec direction générale de la police ça au lieu que yo t'a prendre sanction contre policier ça mais c'est grade que au balou bien c'est échelon que au fait le briguer en dans institution policière là ça son premier aspect et deuxième aspect qui d'autant plus intéresse nous c'est directeur général de la police même qui dit nous certaines fois le kon kimbe de police ancien directeur général là qui dit nous certaines fois yo kin kimbe de police dans des dossiers qui paraît lourd et hideux mais leur décide de prendre sanction contre lui puisque qu'on est fort décision ça prend ou recommandation il a cheminé vers le ministère de la justice mais ministère de justice ça lui opposé automatiquement ça parce que c'est un policier de l'équipe donc ça vient fait que politisation générale là bien sûr inspection générale là pas qu'à faire travail lui parce que institution policière là on a dit dans haut niveau dans haut recommandement institution politisé et donc ça fait nous même en dedans et organisation qui a défendu droit monde cette calé avec SKL nous prioriser une restructuration même de l'institution policière là qui est capable de permettre au moins yo amoindrir de plus en plus politisation mais forme de politisation ça qui gagne en dans l'institution policière là et puisque nous dans aspect politisation aspect politisation li exprimé de différentes manières dans l'institution policière là une autre façon nous estimer que li exprimé
c'est façon il y a politisé et c'est façon il y a persécuté systématiquement droit policier syndiqué. À ne pas oublier c'est CSPN même qui était réuni en express qui baille oui. C'est bon droit pour bah, ça c'est au prix de bataille c'est au prix de bataille et bien sûr et qui reconnaître même par constitution c'est constitution 1947 là même qui acceptait que moun fait oui. Association donc à partir de ce moment là ça vous fait comme conquête nous estimer que en aucune manière DCPJ pas de nul droit pour émettre de avis de recherche derrière policier ça uniquement parce que vous avez décidé syndiquer est-ce que tu comprends et deuxième façon que nous même en organisation qui défend droit moun nous estimer que et politisation manifestée, c'est le, yo décidé, c'est le par depuis exemple. Depuis souvent, nommé directeur général, yo tout bien sûr. C'est le par exemple de journalistes, nous-mêmes là comme journalistes, à le couvrir d'événements, yo tiré à balle réelle sur nous, yo fait usage abusif de gaz lacrymogène qui fait où je gagne plusieurs journalistes qui sont victimes. Mon coup par exemple, le 20 janvier 2020, tu as gagné Réginald Rémy de Radio Télé Caraïbes qui était victime, qui était pris en balle dans la main. Et il y a plusieurs autres journalistes qui sont victimes sous l'air de champ de passe. Et ça, nous, les bavures aux policiers, là, bah, ça a une monnaie courante. Bien sûr. Et qu'on a l'impression. Et ce qui n'est pas le cas en réalité, que les policiers n'ont pas de faire académie vraie, que n'ont pas de formation. Voilà. Ça ne certain, c'est qu'ils ont gain formation. Voilà. C'est-à-dire que c'est négligence, ça, ils viennent par le découragement que ont gagné, ou bien par le fait que ont gagné des policiers qui ont pris une position politique. Ah, bien sûr. Et, bon, je vous rappelle, dans la manifestation que tu as gagné sous Sean Masla, où un bon backup boy qui passait les. Frappé de monde qui sous moto qui était participé qui était dans manifestation d'ailleurs de chauffeurs moto de manifestants et malheureusement par inspection générale qui soit mené des enquêtes sanctionné policier ça yo par rapport avec action hideuse que opposé mais tout faut nous dire en même temps rapport ça que nous sorti nous pas sorti parce que nous voulons écraser ces institutions policières là parce que grand pile monde qui t'a voulu faire comprendre ça au contraire nous considérons rapport là comme un miroir qui casait tête déjà bien sûr nous considérons rapport là comme un miroir pour institution policière là garder tête ni la donne et résoudre problème ça à petit feu parce que au cas où il pas résolu c'est sûr que garantis tout ça me vraiment me garantit tout ça si ça va pas résoudre comme problème l'institution l'a fini par effondrer oui mais on regarde les problèmes là de manière plus globale c'est-à-dire que non pays côté gain ça n'était carrélé toute une économie de la criminalité c'est-à-dire que on gagne kidnapping systématique on gagne ça n'était carrélé en plus de kidnapping là et circulation de différents types de trafic d'armes trafic de munitions, de stupéfiants. Depuis qu'on a toute une économie qui chita sous ça dans le pays, c'est normal que l'économie, ça, premier ça va chercher bouleverser, c'est force de sécurité, force de l'ordre. Là. Parce que c'est le premier bagage qui est capable de représenter une réelle menace pour que on moun rive établi toute une économie de la criminalité dans le pays. Et ça, l'homme où nous sommes dirigeants, on n'a pas ignorer ça. Ouais. Donc, si vous ne faites pas contre ça, il y a deux réponses à cela. C'est probablement parce qu'on n'est pas capable. Et dans ce cas, c'est un point aveu d'échec. Ou bien, ou complice à cela. Moi-même, je pense que les deux, tous les deux sont dit, non seulement pertinents, mais estimés qu'ils sont liés. Premièrement, ils ne sont pas capables. Mais le fait qu'ils ne sont pas capables, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas vrais. C'est parce qu'ils complicent tout. Parce que l'on veut ou non, je garantis comme. Un premier ministre qui c'est chef CSPN, comme ministre intérieur, comme directeur général de la police. Quelque part, si on a une situation où on a deux ans depuis le kidnapping, voulait normaliser comme pratique dans nos sociétés, et on pas poser de l'action normale pour résoudre le problème, ça, c'est sûr qu'il y a un problème qui est posé. Donc, pour moi-même, on met pour l'organisation qui a défendu la Monsette Calde SKL, nous croyons que n'était-ce pas la complicité de certaines autorités politique en un pays a non ça qu'a passé journée jeudi a mais c'est sûr que il t'a résoudre il t'a adressé problème dans d'une part et il t'a résoudre d'autre part pour qui ça parce que nous connais jusqu'à présent nous invité du midi moi connais moi était convaincu que gagne de monde qui gagne formation dans un pays a en matière de criminalité
pour mener de lutte contre criminalité. Il y a des gens qui ont une formation dans le pays en matière de sécurité. Et il y a des gens qui font expérience tout dans la consultation dans le pays sous cause insécurité. Donc pour qui ça, nous pas mettre en place un task force. D'ailleurs, il y a 10 ans, les gangs n'étaient pas aussi forts. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont été renforcés pendant deux mandats que le gouvernement a fait là. Voilà. C'est-à-dire que s'ils ont été renforcés, soit ils ont été renforcés par ce pouvoir, soit et ce pouvoir n'a rien fait pour les empêcher d'être renforcés. Bien sûr. Et pour nous-mêmes, en organisation Cap Défendre Droits Moun, c'est ça qui paraît intéressant. Jusqu'à la preuve du contraire, on a dit gouvernement, c'est seul. Alors, l'État même, comme structure, mais comme instance qui a un monopole de la violence physique légitime, c'est seul lui-même qui a une légitimité pour poser problème ça et pour résoudre. Parce que. Que l'on veut ou non, bah quoi, c'est international qui vient résoudre pour nous. Non. Et même le. Non, mais même c'est l'échec de la police nationale ou l'effondrement de la police nationale, disons-le, et c'est l'échec aussi de l'international. Parce que dans le dernier moment, ça, là, tout ce qui est question de formation, de renforcement de capacité au sein de la police nationale, sous l'égide d'ambassades ou encore d'organismes internationaux qui ont organisé cela. Donc, ça veut dire que quelque part, l'international a aussi échoué, ministère ou encore ministre, toutes les institutions qui passent, qui ont gagné pour mission renforcer la police, là, afin que les gens qui ont payé, qui ont sécurité payé sous compte de la police, ils ont échoué tout. Ça, il faut le dire. Non, il faut le dire et je suis parfaitement d'accord avec cette approche. Sauf que, dans tout, même le, nous ne pas vivre en vase clos, mais c'est nous-mêmes comme Haïtiens qui pour discuter entre nous pour nous résoudre le problème de sécurité, ça tout. Parce que, que l'on veut ou non, communauté, alors, certaines frères de la communauté internationale là, qui ont toujours voulu poser problème, non, mais nous ne connaissons pas d'intérêt dans résoudre l'insécurité. Il n'y a pas d'intérêt dans résoudre l'insécurité. Et si vous n'avez pas d'intérêt dans résoudre l'insécurité, nous-mêmes, tout faut que nous disions, nous, est-ce que nous n'avons pas d'intérêt dans résoudre l'insécurité? Puisque c'est là nous y est, et c'est nous avons une nécessité pour nous poser problème, ça, yo. Et puis pour nous porter de réponse à eux, oui. Pour au moins nous vivre mieux en un pays. Oui. Parce que l'on veut ou non, à chaque fois après la rue, ou bon zami, kap di, on n'est pas obligé après la rue. Même pas qu'on est, surtout par rapport avec plusieurs, t'as dit, entre guillemets, caravane, m'a fait dans la presse pour présenter le rapport, parler de rapport, etc. Par contre, combien de milliers de monde qui a écrit, qui a dit, prudent. Alors, ce que m'a fait un travail pour moi-même, comme défenseur de droit, monde qui noble, et m'a pas aucun intérêt. Fait travail citoyen. Bien sûr, m'a pas aucun intérêt, et organisation SKL, tout pas aucun intérêt à attaquer ces institutions policières là. Nous seulement, j'ai intérêt à faire ces institutions policières là, garder tête dans le miroir, pour poser n'a dit problème de sécurité qui gagne dans le pays. Alors que moun yo même yo pas wel comme ça, on préfère wel comme on plaît pour fouer mon laden et c'est sûr que ou victime par rapport à ça comme problème. De toute façon, soit cacher réalité, elle a fini par paraître quand même. Donc autant tout dévoiler. Et réalité apparaître et même vraiment regrette que gagne des bagarres ou gagne dans monde qu'on pas veut ban moi là dans l'émission. Et ça t'a bon pour population connaît. Et des bagages qui ont fait en dans l'institution policière là, parce que ça permet que les pour corriger la situation, ça a eu de verre qui ça va aller et qui type de d'acte que nous avons habitué à poser pour pas refaire. Mon exemple, c'est simple que par rapport avec deux madame policier qui successivement, mais systématiquement, disons, mieux à victime. Combien de fois de policiers, par exemple, mourir? Bah, même besoin d'un exercice de sa fonction parce que le policier a toujours un exercice, même le lien civil. Donc, un policier. Il doit mourir, ou il doit battre le policier. Et puis le madame li est allé dans la direction générale de la police, ou à l'inspection générale, il y a un policier qui demande madame nan, pour sortir avec elle seulement pour, si toutefois elle voulait accès avec, continuer à avoir accès avec chaque policier qui mourit dans l'exercice fonctionnel. Donc, pour nous-mêmes, c'est de bagarre qui est extrêmement grave. Oui, sans compter, puisque nous avons une rubrique FIA là, sans compter. De exact tisonnage et chantage que policiers eux-mêmes tout oui, y a que y a victime dans institution policière dans institution policière pardon c'est ça que fait bon inspecteur général en institution policière là qui font mise en question et ça me quoi li en dans introduction rapport là il pose peut-être des questions est-ce que institution alors on a dit est-ce que c'est étranger même qui t'a fondé une décision policière là? Est-ce qu'il n'y a pas de fondé là avec tout problème ça yo, pour quelques années plus tard, il a écrasé les biens de fondé l'autre?
Bon, nous saisis. Parce que depuis l'institution a monté, il monte à problème. Il monte à toute crise. Parce que, je ne dis pas de rapport là, depuis le centre de formation, depuis l'école de police là, à l'époque, qui est de police, il y a plusieurs policiers qui ont quitté la formation parce que. Non, c'est un problème de société. Ils subissent genre de bagages. Ce n'est pas seulement l'institution policière là, qui fait face à genre de problème. Ça, déjà, c'est une réalité qui est au sein de l'administration publique haïtienne de manière globale. Et ça qui crée la situation, ça, c'est peut-être ça, nous parlons Kounia avant de faire une émission Jacques Charles, c'est une société qui construit sous un ensemble de bagailles qui empêchent l'avancée. Par exemple, une situation complètement inégalitaire, nous autres, frustration policière, en même institution. Mais c'est une société qui construit sous l'impunité tout. Ah, bien sûr. Parce qu'en réalité, et on n'a pas qu'à empêcher un nègre pervers. Ça va dépendre de l'éducation à recevoir, de l'éducation familiale. Li. Maintenant, soit qu'à empêcher, ou qu'à empêcher tout pervers qu'il est, il va nuisible à la société. Dans ce cas, premier acte pervers qu'il commet là, ou flanquer ça dans la prison, ou mettre dans une situation pour ne pas répéter. Donc, c'est ça une société qui a bien marché, fait en général. Mais nous regardons ici, que ce soit au niveau politique, n'est qu'à voler l'argent l'état rien pas jamais rivé et que ce soit dans niveau économique ou bien des entrepreneurs qui pas correct mais yo toléré yo fait deal à l'état ou joindre monde dans administration publique là pour et mettre ensemble pour prendre l'état ou bien à tous les niveaux ouais ou bien de monde dans société qui prend l'habitude pas respecter les règles parce que vous connaissez, vous bénéficiez d'avance de sa nouvelle impunité. C'est peut-être là ça qui mène nous là. Non, mais ça, soit dit à moi partager, mais ça me vous comprendre, c'est que dans le moment où on parle là, et ça, comme pratique, c'est-à-dire abus sexuel là, l'étisonnage là, comme pratique, li caractériser l'institution policière là. Comme quoi, ou on vit dire c'est normal pour de policiers qui font partie de l'état-major là, abuser sexuellement policier là et comme quoi il trouvait lui normal et c'est nous mêmes c'est ça nous mêmes en décision en dans organisation qui défend droit mon SKL n'a critiqué constamment parce que quelque part nous pas nous sommes dans la normalisation du crime bien sûr nous pas ouais bonheur non ça et nous mêmes tout en SKL nous toujours prend bâton pèlerin nous pour non seulement critiquer mais tout proposer à institution policier là une autre forme de on a dit de pratique. Nous pas dire imposer non mais au moins conseiller ça parce que quelle que soit société qui a avancé, nous pas croire que l'intérêt avancer dans tisonaille, avancer dans abus, avancer dans répression parce que ça nous c'est peut-être dada rapport à tout jeune Mendil, avancer dans la répression parce que nous estimer depuis plus passé 3-4 ans là, institution policière là, me garantis bien répression c'est des bagages que l'a fait à longueur de journée. Un policier, un backup police qui a passé là, il pas trop remis forme tout, j'aimerais me dire, il posait de bévue. Si me comprenez bien, je vais expliquer bagage là. Ça n'a pas parlé de répression, il pas semblé en décision qui prend au plus haut niveau de la police nationale, il semblait peut-être de actes isolés que des policiers prennent en fonction de position. Non, c'est très bien, je vais poser la question, mais ils comptent ça tout. Ils comptent ça tout, mais tout, pas oublier, gagner différentes manifestations qu'on a fait dans le pays, surtout par l'opposition, bien par la société civile, directement gagner un appel qui est fait du côté de l'autorité politique pour réprimander systématiquement les manifestants. Parce que, en attendant, nous, comment vous comprenez une manifestation a monté sur l'autoroute de Delma, paisiblement, et puis soit deux policiers décidés de voyer gaz lacrymogène ou bien deux policiers décidés de tirer à balle réelle. Comment vous comprenez ça? Et deuxièmement, une bagaille que nous toujours insister sur lui. Encore que nous avons doute que tout le monde qui a tiré, c'est les policiers. Oui. Voilà. Parce voilà, que nous voilà, sommes des machines sans immatriculation. Ou voilà. Encore de policiers à tennis, etc. Et ça qui est intéressant dans ce dire, c'est que. En telle situation, police, alors, directeur général de la police, pas qu'à dire que le pas au courant de lui. Parce que c'est chef troupe, lui doit gagner en capacité pour le diriger, tout là, et pour tout ça, pas poser de action. Sous-prend, par exemple, il y a deux bagues qui arrivent, je me songeais du temps, et même si nous allons parler de rapports qui sortent sous corruption
et dans la police sans parcours des comptes. Mm-hmm. Du temps où et Michel-Ange Léon était directeur général de la police, il était expliqué que il y a des gens dans la police là, qui que... prennent l'initiative à discuter avec Dieu, que lui-même n'est pas au courant. Bon, ouais. Non, mais le ça, mm-hmm. le ça, on peut, y a un directeur général de la police ou pas. Ou bien démissionner, exactement, ou pas corriger la situation. Ou pas un comportement mm-hmm. de. Comme dit de Réchignat. Mm-hmm. Ou pas qu'un comportement côté que ou a plein, même j'avais moi-même comme c'est citoyen. Mm-hmm. Et c'est soit ou mener de action ou arrêter. Ou encore... Parce qu'il y a flagrance, ou du moins ou soit poser, ou du moins ou permettre mon commissaire du gouvernement gagner en bonne et due forme ça qui a passé à comme information mm-hmm. pour lui-même lui mener de action qui vous permettre d'appréhender moun sa qui t'a posé une question pareille. Jusqu'à présent, nous pas fouti konnen qui ça all black laté dans l'opération village de Dieu. C'est-à-dire que gon un blackout sous mode d'opératoire la police. Là encore ça c'est travail mm-hmm. de l'inspection générale qui doit mener de enquête minutieuse mm-hmm. pour permettre au moins à population haïtienne gagner d'adi de information sur ça qui t'est passé mm-hmm. surtout dans le village de Dieu. Mais ça qui est important c'est que faut nous dire ça très clair. Et même le ou gen presse même le inspection générale t'a décidé d'il pral mener une enquête et enquête là abouti à de sanctions qui doit prendre contre policier et mais si policier ça gagne de relation avec soit directeur général de la police là ou du moins pouvoir ou bien autorité politique yo, c'est sûr que rien pas privé yo. Et c'est ça nous même en organisation qui défend doit mon dénoncer constamment parce que nous habitués joindre de information pareil et nous habitués joindre de policiers tout critiquer ça comme pratique en institution policière. Là. Autant que institution policière n'a pas de moyens pour faire travail, toute la semaine journée, on entend des policiers à crier, pas de moyens, pas de moyens, pas de moyens. L'international, là, tout, qu'on demande au gouvernement de mettre plus de moyens à disposition de la police. Là. Jovenel Moïse fait une déclaration dans ce sens. Pardon. Mm-hmm. Il dit que y a une grosse part du budget république là, aller dans la police nationale. Là. La police nationale, s'est révélée une institution budgétivore et qui gagne pile l'argent qui a passé la donne. Cependant, nous pas toujours gagné garantie que l'argent ça va dépenser selon les règles comptabilité et publique qui est généralement admise dans le cadre d'État. Alors, moi, mm-hmm. premièrement, je pense que deux barèmes d'accord dit tout ça. Mm-hmm. Je pense que c'est faux que l'institution policière la budgétivore. Je pense que c'est faux parce que, quelle que soit institution de sécurité, de maintien de sécurité, de maintien de l'ordre, mm-hmm. il doit gagner de moyens qui vous permettent de répondre à l'attribution. Mais si vous regardez en filigrane, vous regardez le budget, dans le budget national, là, comme qui alloue à l'institution policière, là, vous avez son pitance. Mm-hmm. Parce que, en attendant, est-ce que dans le moment où on a parlé, là, combien on bombe de vent, par exemple? Parce que pour mener, pour bailler la sécurité, il faut qu'il y ait un équipement. Mm-hmm. Combien on bombe de vent? Combien. Dit, ça dit bon blindé parce que nous connaissons deux blindés. Nous connaissons deux blindés qui n'est pas approprié par rapport au type de munitions que chef de bande armée a. Il y a des blindés pour la cathédrale. Voilà, j'aime bien qu'on dit. Donc, blindé ça, ou prend là-dedans déjà, c'est sûr que si vous voulez faire de achat, mm-hmm. si vous voulez faire de achat, je crois que ce n'est pas blindé ça, vous pouvez l'acheter. Ça, c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage, qui est-ce qui t'a acheté blindé? Est-ce que c'est direction générale de la police ou bien ça aurait les mm-hmm. DCPA? Et donc, par le CPA, son direction d'institution qui est là pour acheter équipement. Mm-hmm. Est-ce que c'est lui-même qui t'a acheté et blindé ça? Parce que bah, c'est le monde qui fait partie de structure ça d'un PNH. Il plus ou moins connaît qui type de blindé qui est approprié par rapport à la situation que nous avons vécue aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est lui-même qui t'a acheté ou bien c'est directement primature? Oui. Donc, tout problème, ça, nous devons prendre avec l'adresse, avec qui étude d'esprit, pour au moins le poser, nous poser. Sans nous pas faire diversion, mm-hmm. sans nous pas faire. C'est le vrai problème. Mais deuxième mm-hmm. bagage pour me finir, sous mm-hmm. ça, c'est, il est vrai que la police nationale d'Haïti a fait face actuellement avec de, ça nous relève un manque de transparence. Bon, opacité mm-hmm. dans la façon de dépenses faites dans l'institution policière. Mais qu'il y a tout avec l'autre institution. Tout. Oui, c'est valable pour l'administration publique de manière en général, bien sûr. Mais pas en particulier dans la question policière. Policière, voilà. Ou pas, par exemple, nous-mêmes, mm-hmm. personnellement, après nous disons ça dans le rapport là, pour nous joindre des informations, nous ne pas s'impliquer. Pour nous joindre des informations, pour des policiers, et bien des policiers qui finissent par l'information, tout dit nous, pas mettre nous. Mm-hmm. Et c'est une raison qui fait nous omettre toutes nos nettes d'informateurs
que nous te gagnons sous terrain. Ça pas un petit problème de crédibilité pour rapport. Nous pas quoi ça parce que éthiquement nous pas ta faire. Si policier qui fin nous ba nous information dit nous pour nous ba nous non nous pas ta maintenant non. Maintenant si on monde veut qu'on a discuter avec nous sous nous l'a bien pour venir parler avec nous mais nous pas gain pour nous révéler non en tant qu'informateur en décision parce que le moment n'a parlé là sur institution qui qu'a prend sanction contre un policier uniquement parce que le temps des liban ont information sur institution donc à partir de ce moment là pour nous préserver policier ça pour nous sécuriser policier ça et pour nous capable continuer gagner de information dans même policier ça tout nous obligé pas policier tout comme employé de l'état les gain ça le droit de réserve ou droit de réserve par rapport à qui ça que le pas de partager de information avec nous. Bon, en fait, des informations qui sont sensibles, qui mettent l'institution en péril. Non, au contraire, parce que l'information qu'il partage avec nous, c'est parce que pour moi-même, il n'a pas souhaité que l'institution disparaisse. Parce que, en attendant, nous, ça nous dit dans le rapport, c'est des choses qui existent dans l'institution policière là, et qui demandent pour nous résoudre comme problème. Donc, si toutefois nous continuons à quitter ou exister, c'est sûr que l'institution a crasé. C'est comme quand on t'a dit, un monde qui a fait attaque cancer. Il y a deux symptomatologies qu'il commence à présenter et puis il décide par l'hôpital, et bien le cancer a fini par abattre. Donc, et bien, en même temps, si ça nous gagne comme information, nous traitons minutieusement un dans rapport là et nous baillons le rapport là, nous acheminons le rapport là vers la direction générale, alors vers l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, nous pensons qu'il faut que tu aies deux réunions qui fait un dans au état-major là, pour pencher sur ça, nous faire ressortir dans le rapport là, et puis pour résoudre le plus rapide que possible. Il y a un autre problème encore par rapport à la question matérielle là. Le peu de matériel que vous avez, vous avez l'impression que le matériel ça a servi à toute bagaille, sauf pour sécuriser la population. Et je n'ai pas eu aucun problème parce qu'un policier doit amener tout le monde à l'école. Mais souvent, ouais, les machines policières servent pour mener tout le monde à l'école, pour mener beaucoup de marché. Ou aller dans la mer. Donc, ça, c'est aussi son bagage qui, non seulement. Ça, son forme jouer, de corruption. Forme de corruption, mais il a une image police. Ah, tout. Parce que pour que je m'en dans l'autre pays, pour mon machine police à utiliser à d'autres fins sinon que sécurité. Ah, bien sûr. Ça, son forme de corruption. D'ailleurs, les lois du 12 mars 2014 portant prévention contre la corruption, sanctionner type de action ça et c'est ça que fait garantie certaines fois qu'on dit tout gain de action policière posée les gain doit penser que loi ou pas gain de loi sur ça qui réprimande mais tout ça le certain c'est impunité à bientôt voilà mais tout faut nous dit il faut que inspection générale continue mener travail ça tout pour au moins le bagage ça arriver pour l'autosaisie. On dit auto-saisie de action ça yo. Peut-être que ça a mené nous faire des recommandations. Dans le cadre de restructuration des institutions policières là, ça a mené nous à une inspection générale qui t'a plus ou moins pas trop sous contrôle direction générale là. Oui, mais seul ça peut-être moins comprendre tout parce que faut que nous parler avec un pile inquiétude d'esprit, j'aime toujours prendre le soin pour me dire. Seul ça m'estimer qui fait dans le moment on a parlé à la et institution alors inspection générale qui a pas bénéficié qui c'est et prend sanction c'est parce que le pas qu'à la fois juge et parti il pas qu'à monde qui a mené enquête et puis qui a fait recommandation et puis pour prendre sanction mais là non, mais non, seul ça s'il pas s'il pas en bas direction générale là il est capable à la fois monde qui a dénoncé mais constitue une force de pression par rapport à la direction générale maintenant ça très bien c'est pertinent ce dire mais ça nous même n'a demandé c'est une forme de dépolitisation de direction générale là parce que me garantis aussi pour direction générale travail, si direction générale a dépolitisé mais le gagner de recommandations qui fait de bon côté inspection générale eh bien direction générale là pour gagner matière pour prendre des décisions la prend décision convenablement maintenant. Quel que soit le travail que l'inspection générale fait, qui fait et malheureusement il n'y a pas abouti, c'est parce que la direction générale l'a politisé. C'est-à-dire que l'état-major la police a politisé. Et même là encore, même la direction générale a gagné de bonne volonté pour prendre décision. Mais puisque l'a gagné pour acheminer vers le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, suivant la relation avec un policier, c'est sûr que policier ça, il n'y a pas accepté. Il n'a pas accepté de prendre décision. Oui, mais là encore, le problème est institution pour ça. Le ministre de la Justice n'est pas intouchable. C'est pour ça qu'en principe, le Parlement
de qui ils répondent. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que la justice n'a pas réagi. Faut qu'inspection générale ça, t'a doté donc capacité pour mener un dossier ça jusque s'il le faut la Cour constitutionnelle même. Voilà, mais là oui. Non, c'est très bien. On a regardé de manière théorique, oui. Mais dans la réalité, non, on va parler de pays ça là. Oui, l'inexistence de parlement, n'a pas légalement tout de parlementaires ou toutes certaines fois qui impliqué dans ça. Parce que politisation n'est pas venue seulement de palais national, il n'est pas venue seulement de l'effondrement dont on parle, qui concerne la police nationale d'Haïti, est symptomatique d'un effondrement de l'État. Voilà. Donc, même parce que c'est bien dit, donc effondrement de l'État, dans la mesure où c'est l'État même, de façon constituée, qui doit répondre. L'État n'a pas qu'à effondrer, la police arrête de camper. Voilà. Ouais. Il doit répondre parce que l'État a ses bois armés. Alors, la police a ses bois armés, institution policière et institution étatique. Donc, si toutefois l'État, pour lui-même, l'y effondrer, c'est sûr que bien institution policière là, l'y a fait les frais. Bon, puisque nous parlons de conférence nationale, et que faut que on discussion qui fait pour nous relancer le pays là, nous sommes dans un pays complètement bloqué. Peut-être que, et ça c'est position, et ce que me fait rarement bah position, moi c'est qu'il y a des institutions et d'un pays là qui supposé qu'on travaille qui fait sous yo ou quel que soit problème politique qui posé là, pour que ne pas entrer dans utiliser institution ça comme instrument politique. On pense à la police nationale là, puisque Lénine t'a parlé, on pense à l'éducation, l'école. Et l'université, m'a pensé avec la santé, on ne peut pas politiser la santé, voilà. C'est grave. Et m'a pensé, dernier ressort, à la justice, c'est des éléments qui constituent les piliers. Si nous voulons payer toujours campé, il faut que ça toujours fonctionner. Et m'a pensé, c'est peut-être une base pour discussion dans la conférence nationale. Là. Très bien. Et moi-même, personnellement, comme monde qui fait partie de l'organisation SKL, m'a toujours pensé tout, faut au moins... institution de contrôle yo yo ta renforcé yo tel que la Cour supérieure des comptes qui dans dernier moment a fait du travail titanesque parce que qui est assez intéressant faut que tu renforcé tout IGF inspection institution de gestion de finances faut gagner par exemple institution qui l'a pour renforcer question marché public CNMP. Il y a l'autre institution tout qui là pour alors ULCC par exemple, c'est des organismes autonomes qui sont dans l'État qui si me garantit à fond travail qui répondent à loi qui est créée, c'est sûr que nous pas trouver dans une situation terrible que nous trouvons aujourd'hui. Il faut peut-être leur donner un fondement constitutionnel pour que tirer pouvoir et en dans constitution qui pourra bah on réelle autonomie, on réelle indépendance par rapport à institutions qui ont tendance politique, donc pour l'exécutif, le parlement, etc. Et c'est très bien. Et moi-même personnellement, et ça, même pas toujours souhaité finir émission, émission ça, pas toujours souhaité finir émission, ça me pas, on a dit ou lit pour auditoire là qui était en audio. Et perspective rapport là parce que je trouve l'intéressant l'homme gain possibilité pour me lire perspective rapport là pour permettre au moins à l'état major là qu'on est de qui ça nous a parlé. Ça nous fait comme perspective, nous dit l'organisation SKL recommande d'organiser des formations continues pour les policiers, promotion par promotion, des formations dans la question des droits humains, des formations non, qui est essentielle d'ailleurs. Recruter des psychologues au sein de l'institution policière afin de prendre soin de la santé mentale des policiers, permettre aux policiers d'avoir accès au crédit, créer des programmes de logements sociaux pour les policiers, permettre aux policiers d'accéder aux soins médicaux en les intégrant dans un système d'assurance maladie, réajuster le budget de la police nationale d'Haïti en vue de lui permettre de remplir véritablement sa mission de maintien de l'ordre, ajuster le salaire des policiers, c'est fondamental, mener des enquêtes sur le train de vie des policiers ainsi que sur leurs biens mobiliers et immobiliers, garantir l'indépendance de l'institution policière sur le plan économique et financier, augmenter le nombre de voitures et de parcs automobiles de la PNH afin de fournir aux policiers de meilleures conditions de travail, augmenter le nombre d'antennes dans les zones stratégiques sur tout le territoire de la République d'Haïti. Ça va nous trouver fondamental si toutefois nous t'as souhaité que l'institution policière là pas effondrée. Merci Jacques Charles du fait qu'on est passé et nous parler nous de rapport ça sur le plateau l'invité du midi. Voilà, et janvier et bah, samedi janvier bah, c'est vraiment un plaisir pour moi pour me parler de rapport ça et m'espérer tout travail que me fait à lire au moins
satisfait le révérend père Gadi Maisonneuve, qui est le directeur exécutif, ainsi que le secrétaire exécutif Richelieu Simonville, avec l'autre comité qui est dans l'organisation Cap Défendre le Monde, Sadka l'évêque SKL comme Bill Datson, Cadelus par exemple. Merci, mesdames, messieurs, ici pour enfin l'invité du midi. C'était avec nous Jacques Charles, avec qui on a parlé du rapport du Sadkal l'évêque sur. On se donne rendez-vous à demain. Bye bye.